Viens, viens là. Installe-toi. On va te crémer et te masser. Tu peux ouvrir grand tes oreilles. Et puis aussi grand ton cœur. Par contre, si tu veux, ferme les yeux. Je vais te raconter une histoire. Mon histoire. Coucou toi, tu vas bien? Quelle journée! C'était génial! Tu sais, je te l'ai dit hier, c'était la grande finale du foot coucou. J'avais un peu peur parce que je sais que parfois le sport entraîne un peu de grattage. Papa m'a tout expliqué. Ce n'est pas le sport qui est embêtant, c'est la sueur. La sueur? C'est quoi ça? Tu sais, oups, c'est quand on transpire. Les petites gouttes qu'on a sur le front, le dos, les bras, elles piquent l'eczéma et alors on a envie de se gratter après le sport. Papa m'a dit ce qu'il faut faire. On doit bien hydrater sa peau avant et après pour éviter que la peau s'irrite. Avant de partir, c'est ce qu'on a fait. On m'a mis de la crème pour protéger la peau. Tu es sûr que c'est une bonne idée, papa? Le sport est bon pour le moral, donc oui, j'en suis sûre. On sera là pour t'applaudir, maman et moi. Et puis, tu as ta crème magique. Alors, tout ira bien. Une crème magique? C'est bizarre ce qu'il a dit, papa. Pendant le match, je n'ai pas pensé à ma maladie. J'ai joué et couru comme un fou. J'avais l'impression d'avoir des ailes tellement je sautais haut et tellement je courais vite. On est l'équipe des Pattes Rouges. C'est un nom bizarre parce que dans notre bande, on est de toutes les couleurs. En face de nous, les Plumes Agiles. Un vrai nom d'Indien, ça. Ils sont très forts. Beaucoup plus forts que nous. Le match était difficile. Pour marquer un but, il faut escalader le palmier et poser la noix de coco tout en haut. Au moment de marquer, Oups m'a crié depuis le banc. « Vas-y, Piquet-Doux! Souviens-toi que tu as mis ta crème magique !» Mais, hélas, non. Je n'ai pas réussi à sauter assez haut et la noix de coco n'est pas arrivée jusqu'en haut de l'arbre. J'étais déçue. La crème n'est pas magique pour tout. Elle m'empêche de me gratter et d'avoir des plaques, mais elle ne marque pas de but au foot coco. Papa a raconté n'importe quoi. Ce soir, je revis le match avec papa et maman. On se raconte encore et encore comment ma copine Pomme a marqué le plus beau des buts à la fin du match et comment on a gagné la coupe face à la meilleure équipe du monde entier. Oh, je suis tellement content et fière. On a eu la médaille. Je l'ai posée près de moi, sur le lit. Je la regarde pendant la séance de crémage et de massage. Je suis si fière. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu de crise de gratouille. Grâce à la crème, elle et moi, on forme une sacrée équipe. J'espère que tout se passera bien demain pour la fête de l'école. Mais ça, c'est une autre histoire, celle que je te raconterai plus tard. Tiens, tu reconnais cette petite musique? C'est la musique de la douceur et du câlin. Les trois petites notes qui murmurent. Alors, est-ce que ça t'a fait du bien? Je te retrouve demain pour un autre massage et une autre histoire.